Voilà, amigo. La tête d'un cul. Il est quelle heure? Il est 6h25, je crois. Oh, il est pêché en saune avec mon père. Je l'attends, on va pas tarder. J'espère que ça va mordre. Une cata en ce moment, les pêches. Je fais des capots. C'est une galassoff. Pêche au canal, là, ça n'a pas été terrible, hein, du tout. Après, j'ai fait une pêche en saune avec une jolie amorce, avec un bon amorçage et des boules d'amorce, tout ça. Rien, pas une brème, rien, pas une table dans les cales. Là, le temps, bon, c'est bien, sympa pour nous, mais je pense pas que pour le poisson, ça terrible. Hein. Pas de flotte, les températures qui baissent pas vraiment, vraiment, à part un peu la nuit. Le poisson était traqué, normalement, là, il commençait à la première baisse de température, il devait commencer à se gaver pour l'hiver, et puis d'un seul coup, là, c'est une huître remontée, l'eau est pas froide, le poisson est. Voilà. On va boire un petit café, puis on va aller à la pêche. En saune encore, j'ai amorcé donc, 2 fois 2 kilos de bouillettes maison sur le spot où je cartonnais. J'espère faire prendre des poissons à mon père. J'espère prendre au moins un poisson. Et alors là, je crois pas trop non plus. Tellement, je suis pas confiant. Totalement, je trouve que c'est pas bon du tout. Mais on boit ça pour se réveiller. On se retrouve au bord de l'eau. Et les amis, on est arrivé sur le poste. Et ça, comme c'est beau, belle lumière. En espérant que ce sera pas comme. Hein? Là, par contre, il y a du pêcheur qui vient, hein. C'est tout bien taillé, c'est pas bien normal ça. Hein. Bon, c'est normal, hein. C'est pas à moi le poste, tout le monde peut venir. Mais bon, on espère qu'on va faire quelques beaux gros fiches avec mon père. Bon, mon père, on le verra sûrement pas beaucoup sur la vidéo parce qu'il il aime pas trop les caméras. On se comprend. Hein. Mais bon, on le verra quand même si on fait des fiches. Hein. Les poissons qu'il prend, il va poser avec. Allez, on va attendre tout ça. Allez, allez. Premier poisson pour mon père, la session. J'espère qu'il va faire un d'autres, moi aussi. 12 kilos. Beau fiche, des belles couleurs d'automne. Ça fait un sacré combat. Bien musclé la bête. Allez, on va la mettre en sac. Conservation comme ça, on va faire une photo à deux, j'espère. La prochaine, c'est pour moi. C'est un départ chacun. Cocotte, on va essayer de se reposer. Ça lui permettra ouais, un petit repos. Et puis nous, bah. J'aimerais bien faire une photo, en prendre une aussi. Photo de mon père. Comme ça, chacun un beau poisson. Donc là, super content. Déjà, on a fait un poisson. Mon père a fait un poisson, c'est le principal. Parce que mon père, il commence la carpe, là, il va s'y mettre. Une fois, c'est le fils qui indique pour le père. Donc là, il en avait déjà fait. Et là, voilà, ça faisait un moment qu'on n'avait pas pêché et tout, donc là, super content, j'ai dit, bah, on va pêcher juste avec mes cannes, il n'avait pas encore tous ses trucs. Content, bien content pour mon père. Comme ça, ça nous permet de faire un départ chacun. Le premier départ, il l'a décroché, c'est normal, il n'y a pas l'habitude aussi, c'est normal, mais bon. Et la deuxième carpe, impeccable, donc du coup, je lui ai laissé, je lui ai dit, je veux qu'il prenne déjà la première. Et là, impeccable. Super combat, il l'a eu. Impeccable. Allez, les amis, regardez ça.
4 heures sans touche, et d'un seul coup, boum, doublé. Moi, je fais la petite. Et mon père a fait le monstre. On va peser ça, à mon avis, il doit faire 15 ou 16 kilos, je pense. Toute courte, mais alors, une paillasse magnifique. Ça, c'est de la vieille... C'est de la vieille miroir, celle-là. On y voit les traces qu'elle a et tout. La peau, comme elle est plus molle. Une vieille carpe. Elle a à peu près 6 kilos. Parti sur la canne de droite. Une fois qu'elle était dans les puisettes, boum, il y a ma mère qui est venue, là. Je vais vous la montrer, mais... C'est mon père qui l'a pris, donc il va la porter après. Va galérer, celle-là. Oui, je pense. Voilà, ça c'est un petit poisson de 6 kg, mais ça fait plaisir, moi je suis content. Je vous montre vite fait la grosse. Regardez-moi ça un peu. La grosse gladi. Grosse patate. Ah, elle est dure à prendre, parce qu'elle a une espèce de pire et tout. Difforme. Ça, celle-là. Moi, je pense qu'elle est vieille. Elle a une tête énorme. Ouais. Un vrai éléphant. Ouais, ouais. Un dinosaure de l'eau, ça. Magnifique. Voilà, de ce côté-là, c'est presque linéaire de mon côté. Très blanche. Alors, on va la peser, et puis je vais la passer à mon père. Allez, du fish. Magnifique vieille miroir de Saône. Pour mon père, qui me pique la miroir sous le nez. Moi qui en recherche. Ah, le principal, c'est que ça a été pris sur le coup. Quatrième départ, c'est le troisième poisson sorti. Première a été décrochée. Et là, magnifique, super combat. Elle est vieille, mais elle a toujours de la patate. Ça, c'est un beau poisson. Allez, on va faire une petite vidéo là, parce que j'ai gardé l'autre comme une en sac. On va regarder ça. Allez. Et l'envers. Elle me lâche, hein. Alors contente, hein. À l'envers, l'autre. Allez, ma grosse. Le dernier posing. On va la peser. Voilà, un petit bisou. Hop. Voilà deux magnifiques poissons de la session. En espérant faire encore ce soir. Hop. Ouais, je laisse pas faire, c'est normal. On va vite les remettre à l'eau. Voilà. Allez, on remet le hippopotame. Hippo tam tam. Allez, une petite bosse là. Venez. Bosse. Ah oui. Et ces jolies lignes d'écailles derrière. On voit que c'est. Elle est vieille. Les lignes ça. C'est tout bien grasse, mais vieille. Oh. Pan, noyé. La bouche tordue un peu aussi. Ouais. Un petit peu d'anomalie sexy. Petit fort. Des anomalies de la vie. C'est pas trop fort. De base. On la voit un petit peu. Je vais essayer de filmer un peu de plus haut. Quand je le vends, tu verras mieux, je pense. Pas loin de 17 kilos. Hein. Poisson. Ça fait rien, je me contenterai. Je dis comme une de 2 kilos. Voilà. C'est joli. Tout bien. Ça a fait... usé. Pour la culture de la pêche avec mon père.
Vous êtes en retard, une fois. Moins de 5 jours après. Donc, bah voilà, donc bilan, on a fait donc 4 poissons. Mon père en a fait 2, j'en ai fait 2. Il en a décroché une, donc ça fait 5 départs dans la journée. Mon père fait les 2 grosses. Moi, je fais les 2 petites. Moi, je fais une 2 kg, 6 kg. J'avais jamais fait 2 kg ici encore, ça se pose. Et mon père fait donc la 12 en commune, super combat, et la miroir de 16, magnifique. Donc, nouveau record pour mon père. Ça va commencer à se compliquer pour battre le record. Hein, et je suis super content pour lui, c'est super cool. On a pris beaucoup de plaisir au bord de l'eau. On était bien, peinard, il fait super bon. On a bien mangé. Et les carpes ont mordu, donc c'est le principal. Donc voilà, donc je vous reprendrai pour une autre pêche en bord de Saône. Allez, salut les gars, bonne pêche !